Salut à tous et à toutes, c'est Vortex Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, une vidéo sur une présentation de compte Fortnite. Donc ça fait vraiment beaucoup de temps que j'ai pas joué à la play. Ça fait je crois que ça fait 2 semaines et demie que je me suis pas connecté à la play. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de temps, 2 semaines et demie, 3 semaines même, parce que je m'étais connecté une fois pour faire une vidéo sur Red Dead Redemption. Mais sinon, ça faisait 3 semaines que je m'étais pas connecté sur la Play. Et donc voilà, j'ai tout simplement un compte à vous présenter. Donc voilà, donc dans le titre, j'ai sûrement mis que c'est un abonné qui m'a prêté son compte. Mais voilà, c'est pas un abonné, c'est un pote qui m'a prêté son compte, tout simplement. Donc je le remercie. Donc voilà, c'est un pote que je connais dans la vraie vie. D'ailleurs, les gars, son Snap s'affichera à l'écran, tout simplement. Donc c'est Roulio-du-bas Scafa. Un gros merci à toi de m'avoir prêté ton compte. Alors pourquoi je fais une vidéo sur son compte? Parce que je sais qu'il avait pas mal de skins tout, vu que je jouais souvent avec lui. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là, qui sont là souvent, quand avant je faisais des lives, eh ben c'est XO, voilà, des lives. Donc son pseudo, oui, c'est XO, comme le joueur pro. Alors pourquoi il a pris XO, je sais pas, parce qu'il est, je crois, il aime bien ce YouTuber, voilà, c'est pour ça. Donc voilà, et il m'a envoyé un snap tout simplement de son nombre de V-Bucks. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah oui, quand même, il est chaud, il est chaud. Donc je sais pas si c'est vraiment vrai ou pas, je vais voir là maintenant. Mais je peux vous dire que sur le Snap, il y avait un nombre de V-Bucks assez conséquent. Aussi les gars, n'hésitez pas à m'acheter sur Snap, donc mon Snap s'affichera à l'écran. Donc voilà, juju-du-bas 06300. Et aussi les gars, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Donc mon Instagram, pareil, s'affichera à l'écran. Donc c'est Julian-du-bas 0140. Voilà, je compte sur vous les gars pour m'ajouter sur Instagram et sur Snap. Et n'hésitez pas aussi à l'ajouter sur Snap, mon pote. Donc voilà, Rolio-du-bas Scafa. Tout sera dans la description de toute façon. Et donc voilà, donc d'ailleurs aussi les gars, j'aimerais faire des vidéos, des caméras cachées. Donc si vous avez des idées de vidéos, de caméras, enfin des idées de caméras cachées, de prank, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, que je pourrais faire donc à des potes ou à des gens que je connais pas, à des inconnus, ben n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires. Et puis voilà, c'est parti pour voir son compte. Moi, c'est surtout le nombre de V-Bucks qui m'intéresse. Là, actuellement, là, j'ai les yeux rivés en haut à droite de l'écran. Je veux voir si c'est vrai ou pas. Alors, ajouter des amis, pas maintenant. Oh, c'est vrai. Bon, je suis pas trop choqué parce que j'ai vu son snap, mais les gars, regardez le nombre de V-Bucks qu'il a. 100 300 V-Bucks. Oh, c'est énorme. Les gars, ça correspond à peu près, ben, 1000 balles. Il a 1000 euros de V-Bucks, en gros. C'est énorme. Ah, les gars, là, je suis un peu choqué. Bon, j'avais vu son snap, donc je me suis dit peut-être que c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. J'étais à moitié, voilà, à moitié. J'y croyais à moitié. Putain, les gars, regardez le 100 300 V-Bucks. Regardez XO, son pseudo c'est XO. Donc voilà. Boutique d'objets. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la boutique? Ah oui, donc lui, il rigole pas. Hein. Il a pas mal de choses de la boutique. Mais il a pas tout acheté. Est-ce qu'on va tout acheter? Non, je rigole. Je vais pas lui dépenser ses V-Bucks parce qu'il a dit, ouais, s'il te plaît, il les dépense pas et tout. Mais putain, quand je vois 100 000 V-Bucks, j'ai envie de lui acheter. Hein. Mais je vais pas le faire, je vais pas le faire. Alors, écran de chargement. Alors, on va voir ces écrans de chargement. Donc, les écrans de chargement, je vous les montre vite fait. Parce que c'est pas ça le sujet principal de la vidéo. Enfin, c'est de présenter son compte. Mais je veux dire, c'est pas les écrans de chargement qui sont le plus palpitant sur son compte. C'est surtout les skins, etc., etc., les planeurs et tout. Sachant qu'il a pas mal de skins. Et en vrai, franchement, il a vraiment pas de chance parce que je peux vous dire que bah, il joue depuis la saison, bah, depuis que le jeu est sorti. Et le Chevalier Noir, je sais qu'il l'avait. Il avait énormément de skins rares avant sur son ancien compte. Sauf que le problème, c'est que son ancien compte, genre, il s'est fait, hacker son ancien compte tout simplement. Donc je sais pas comment, mais il s'est fait hacker son ancien compte. Et il avait le Chevalier Noir, il avait mis avant, hein, donc sur son premier compte, il avait mis 500 euros sur de V-Bucks, quoi. Enfin 500 euros sur le jeu. Et là, il m'a dit que son compte valait 4000 euros. Donc j'ai envoyé un message, j'ai dit, ouais, il vaut à peu près combien ton compte? Il m'a dit, il vaut 4000 euros. Donc franchement, je le crois, hein, parce que déjà 1000 euros de V-Bucks. Et après, on va voir tous les skins et tout qu'il a. Disco. Festif, au perché, original, twist. Ok, ensuite, donc ça c'est les icônes, donc pareil je vous les montre vite fait, donc hop 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 hop. Parce que les icônes pareil je m'y connais pas, je sais qu'il y a des icônes rares mais je sais pas du tout c'est quoi les icônes rares. Et ça c'est les standards, bon voilà c'est les basiques.
Ensuite, on va aller aux revêtements. Donc, les revêtements, il a quoi? Il a donc le camouflage arctique, ça c'est ok. Dure burger, donc ça, je crois qu'il faut l'acheter, il me semble. Je suis pas sûr. Oh, celui-là, il est beau. Donc, voilà, ça fait vraiment pas mal de temps que j'ai pas joué à Fortnite, donc je suis un peu perdu. Ça, je crois que c'est avec le pack de glace, mais je suis pas sûr. Donc, ça, c'est avec normalement le pass de combat. Ça, c'est le pass de combat aussi, il me semble. Ça, il me semble qu'il fallait l'acheter. Et lui, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas s'il faut l'acheter, si c'était un défi, mais je crois pas que c'est du pass de combat celui-là. Il me semble pas. En tout cas, il me semble pas. Je suis pas sûr. Donc voilà. Ensuite, on va commencer avec les danses. Donc d'abord, il y aura les petits émoticônes. Pareil, je vous les montre vite fait comme ça. Donc, ah, une danse. Youpi! Pas mal la danse. Hop. Visez un peu ça. Ok. Ok. A plus, ouais, les lamas. Tac. Le petit stop. Soldat d'épices. Smiley GG. Signe X. Sergent Frickmas. Ok, saut d'or. Le petit salut royal. Alors, radio, ouais, Ramirez. C'est quoi Ramirez en pixel? Ramirez ou Ramirez, je sais pas comment ça s'appelle. Ok. Requin. Respect. Rock, tac, tac, salut militaire. Donc c'est surtout les danses que que je vais vous montrer, ça je vous les montre vite fait. Hop, hop. Donc n'hésitez pas à passer un peu sur la vidéo si jamais, parce qu'à mon avis c'est un peu un moment ennuyant pour ceux qui s'en foutent des émoticônes, des aérosols et tout. Tac, alors une nouvelle danse, posanté, d'accord. Papillon de nuit, papier toilette, pan. Hop, numéro 1, nomade. Bon, là, je vous les montre vite fait parce qu'il en a vraiment pas mal. Bon, ça n'a même pas le temps de s'afficher, mais, vous pouvez voir au moins les titres. Jubilation. Donc, ok, tac, tac, tac. Donc, là, ouais, je vous montre en. Bon, je vous montre un peu plus vite parce que voilà, il en a vraiment pas mal. Oux, là, oulala. Moi, je dis Oux, je suis un fou. C'est oulala. Ah, ouais, pas mal. C'est comme la danse t'as perdu en fait. Mais avec un ou en haut. Ah ok, pas mal. Go, GG, ouais, tac, tac. Frotte les épaules. Pas mal, pas mal. Ok. Tac. Enragé. Exercice Shaolin. Oh, pas mal la danse, pas mal. Franchement, elle est pas mal. Je valide. Donc, hop. Alors, dessin de trog, ok. Décoration GG, d'accord. La petite courbette. Ok, couronne GG, crâne et barbe. Ah ouais, il en a vraiment pas mal quand même. Hein. Clap des pieds. Donc celle-là, je la connaissais. Clap, clap, distingué. Pareil, je la connaissais, la danse. Chocolat chaud, campeur. Chaud bouillant. Pareil, celle-là, je la connaissais. Ok. D'ailleurs, les gars, aussi, je vais peut-être vous faire une petite vidéo sur FIFA, un pack opening. Parce que tout simplement, bah, mon pote a 8000 points FIFA. Et il m'a dit, si tu veux faire une vidéo ou quoi, vas-y, fais-la. J'ai 8000 points FIFA. Donc, je vous ferai peut-être aussi une vidéo sur FIFA. Appel au combat, ok? Donc, un petit pack opening. Donc, voilà. Donc, vraiment, les gars, n'hésitez pas à me proposer des caméras cachées que je pourrais faire. Donc, voilà, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Et à m'acheter sur les réseaux sociaux, ainsi que mon pote. Donc, de toute façon, pardon, tout est dans la description. Et n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, parce que franchement, le compte, il a l'air lourd, lourd, lourd. Alors, twist. Tu déchires. Ok. La petite tomate. T'as perdu. Signe de la main. Oh. Et là, il va faire le petit t'as perdu. Tin. Il le fait tout vite fait. Alors, saupoudrage, ok. Rustique. Oh, je valide, la danse, je la valide. Oh, la danse, je la valide grave. Je la connaissais pas, la danse, mais je valide, franchement, je valide. Trop bien fait. Alors, ça, c'est Pumpernickel. Franchement, c'est une belle danse. C'est une belle danse. Alors, pose sexy, rien que pour vos yeux. Popcorn, popcorn. Mais il mange pas de popcorn. Ça, c'est super mal fait. Il aurait dû faire comme ça, mais genre. Non, peut-être pas en fait. Alors, pointer au doigt. Pointer du doigt, pardon. Pointer du doigt. Ah ouais, carrément, il prend une pioche et tout.
Ah ouais, chaud. Pluie de billets, vite un parapluie. Ah, celle-là, je l'avais avant. Mais je l'ai vendue, j'aurais dû la garder. Palais givré, alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Envoyez-le dans vos filets. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas si je l'ai ou pas. Mais comme ça fait longtemps que j'ai pas joué, bah je l'ai pas, tout simplement le. Je l'ai pas, ça je l'ai pas. Mais ça doit être un peu comme les baskets, les balles de basket et tout. Les ballons de basket, pardon. Ondulante, meilleur pote. Esprit Funky. Alors celle-là, je la connaissais pas non plus. Mais je valide, je valide. Ok. Flip Félin, pareil, je connaissais pas. Je connaissais pas, mais je valide. Groove Raffiné. Eh ben, je ne connaissais pas non plus. Vraiment, en ce moment, je suis en dehors de Fortnite. Je suis plus trop Fortnite. Et ben, en ce moment, je vais vous dire, je la connaissais pas. Ok. Alors, Otmarat, ça, c'est la danse gratuite. Impatience, donc ça, c'est la danse du passe de combat, je connais. Je cours, pareil, la danse du passe de combat. Joie de vivre, je connais. C'est une danse qu'il faut acheter. Lâcher le micro. Je la connais aussi. Ok. Electro Swing, ça me dit quelque chose. Alors j'ai l'impression de ne pas la connaître, mais le nom me dit quelque chose. Du coup, je pense que je dois la connaître. Normalement, ouais, je la connais, je la connais. Désossé. D'accord. Ensuite, déhanché. Donc ça là pareil je la connaissais. Ok. Ensuite danse du poignet. Oh, pas mal, pas mal. Pas mal. Ok. Ensuite clos du spectacle. Je la connaissais pas non plus. Eh mais la moitié des danses qu'il a je les connais pas. Ok, pas mal, pas mal. Chassé croisé, celle-là je la connaissais. Calcul mental, donc celle-là je la connais aussi. Ça urge. Ok, pas mal, pas mal. Alors ensuite, le burger chic, la boule de neige, ballon de plage, ballon de basket, balle de golf, baf. D'accord. Tomate chic, riff endiablé. Donc celle-là, je la connais. Donc voilà, hein. Riff endiablé. Franchement, elle était pas mal, cette danse, elle est pas mal. Moi, je l'aime bien. Nanana. Ensuite, danse slave. Oh, elle date cette danse, elle date, elle était sortie il y a longtemps. Franchement, je la valide. Elle est validée la danse. Ensorcelante. Pas mal, pas mal. Une belle petite danse. Flamenco. Pareil, une belle danse. Du passe de combat, c'était celle-là. Flow endiablé. Alors, celle-là, je la connais pas par contre. D'accord. Bah, ça va, pas mal. Franchement, pas mal. Une belle petite danse, pareil, j'aime bien. Franchement, elle passe. Ah, celle-là, je la connais, la macadabra. Elle est grave bien. Nan. Et là, d'un coup, il va y avoir plein de lamas qui vont apparaître. Tac, 3, 4, 5, 6. Nan. Et d'un coup, ils vont disparaître. Ok, alors le robot, une danse qui est sortie il y a très longtemps, celle-là, le robot. Donc c'est la celle du passe de combat. Hein. Ok, Popeloc, celle-là aussi elle est bien. Pareil, c'est une danse qui est sortie il y a longtemps. Mais elle est toujours validée cette danse. Popeloc, Popstar, oh! Oh, c'est une belle danse celle-là aussi. Celle-là je la valide, elle est bien. Là, il va y avoir un arc-en-ciel d'un coup. Ah, bah voilà, il est apparu. Tut, tut, tut. Alors, danse libératrice. Ah, ouais, mais il a vraiment pas mal de danse quand même. Hein. Il a pas mal de danse, les gars. Danse libératrice. Ok. Ok. Ensuite, cœur. Celle-là, elle me dit quelque chose. Il va y avoir un cœur là qui va apparaître, non? Ouais. Je la connais celle-là. Elle est sortie il y a longtemps. Ensuite, ah celle-là je l'aime bien. Tin, 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 tin. Bon, je sais pas du tout. J'ai pas le rythme de la musique, mais celle-là je l'aime bien. Celle aussi que je vois à gauche, juste avant Zinzin, je l'aime bien. Celle avec quand il fait le DJ. Donc ok. Alors ballon de plage chic, ballon de basket chic, balle de golf chic, balance la sauce. Voilà, c'est celle-là avec quand il fait le DJ.
Celle-là, je l'aime bien. C'est une bonne danse, ça aussi. Mais n'empêche, je reviens pas, les gars. Il a 100 000 V-Bucks, les gars. 100 000. C'est énorme. C'est juste énorme. Zinzin. Celle-là, c'était par rapport au Dametu Kosita Challenge. Pour moi, c'est la même chose. C'est à peu près la même danse, sauf qu'ils n'ont pas recopié la danse exacte. Mais ils ont fait les mêmes, le même rythme. Ensuite, le dab infini. Voilà, une belle danse, hein. Ensuite, bas les masques. C'est une belle danse. Bas les masques, j'aime bien. Je la valide. C'est une bonne danse. Non, honnêtement, bas les masques, je la kiffe. Tout le temps, je la fais sur Fortnite. Ensuite, mort-vivant. Franchement, celle-là aussi, pareil. C'est une bonne danse. Elle est sortie il y a pas mal de temps, en plus, mort-vivant. Ok, donc Groovy. Donc ouais, c'est une danse assez connue, Groovy. Elle est sortie il y a pas mal de temps, pareil. Ensuite, il y a quoi de... Donc je regarde vite fait. Ah ouais, il a le breakdance, je crois Turbulence. Et le truc disco, il a. Bon, on va regarder ça. Donc là, c'est Fief Disco. Pour faire fureur dans tous les mariages. Eh ben voilà. Si vous voulez faire fureur au mariage, eh ben vous faites cette danse, les gars. Et c'est parfait. Voilà, c'est Fortnite qui le dit, les gars. C'est Fortnite qui le dit. Non, franchement, elle est bien la danse. Ensuite, ah non, c'est casse la baraque, c'est pas turbulence, c'est casse la baraque. Ah, casse la baraque et donne la frite. Alors là, c'est un jeu de mots. Fortnite, si vous regardez cette vidéo, enlevez-moi ça, s'il vous plaît. Enlevez ça tout de suite. Pourquoi ils ont fait ce jeu de mots? Mais non, pourquoi? Enfin, c'est pas un jeu de mots, mais en gros, casse la baraque et donne la frite, pour ceux qui ont compris. Et breakdance. Putain, j'ai dit breakdance, c'est breakdance. Bouge ton corps. Moi, j'aime bien quand il danse, bah, je le fais tourner comme ça, regardez. Et là, regardez, je le fais tourner. On dirait qu'il va trop vite, alors qu'en vrai, non. Vous avez vu la différence? On dirait qu'il va trop vite, alors que pas du tout, c'est juste moi qui le bouge. Ensuite, alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il a comme traînée? Alors, il y a la flamme, la foudre, arc-en-ciel, bulle. Chauve-souris, cœur. Alors, à mon avis, cette vidéo va durer 20 minutes parce que, vu le contenu de son compte, il a vraiment pas mal de choses. Flocons de neige, flamme agressive, fibre optique. Référence à la fibre. Qui d'ailleurs, bah, les gars, j'ai la fibre. Hein, et je suis super content de l'avoir parce que je peux vous faire des lives et tout de fou. D'ailleurs, les gars, je vais sûrement reprendre des lives dans pas longtemps. Voilà. Je vous fais une petite annonce comme ça en vidéo. Je vais sûrement reprendre les lives. Glitch, glyph. Guirlande, lanterne, lanterne citrouille, luciole, outre-mer, volute, rune, rétro-futuriste, plume noire, peinture à la bombe et papier toilette. Ok. Ensuite, donc hop, on va commencer tout en bas. Alors, planeur du fondateur, donc lui aussi, il a sauvé le monde, hein, c'est pour ça qu'il a planeur du fondateur. Enfin, planeur, ouais, du fondateur, pardon. Peinture lurée, parasol de plage. Parapluie ombrelle, parapluie de fondateur, parapluie grand froid et arachnéen, pardon. Alors, vieux taxi, rétrograde. Et du coup, il n'a pas le planeur rare, lui, du coup. Planeur carbone, je veux voir s'il l'a. Pique-nique, mais je crois pas qu'il l'ait. Passe d'armes. Et non, lui, du coup, non, il l'a pas, il me semble. Front froid. Étinceleur, cylindré, et il n'a pas le Mako. Et moi je l'ai le Mako, mais bon, avant il l'avait, mais c'était sur son ancien compte. Et oui, du coup, il n'a pas le planeur Mako sur ce compte. Ah, c'est dommage pour lui, parce que franchement, s'il aurait eu le compte qu'il est. Enfin, s'il aurait gardé le compte. Enfin, s'il se serait pas fait hacker le compte qu'il avait avant, et que tout ce qu'il a là maintenant, il l'aurait sur son ancien compte, je peux vous dire qu'il aurait eu un compte très rare. C'est vraiment dommage pour lui. Précurseur. Planeur magique. Monstre de scène. Ok. Gros bonbon. Friandise. D'accord, donc ça c'est le truc PlayStation normalement, il me semble. Ah ok, ça carrément ça. Ah oui, voilà, flap flap. Qu'est-ce qui est bleu avec des gros yeux? Eh oui, c'est flap flap. Égaliseur. D'accord. Dur planeur. D'accord. Ensuite, il a quoi? Le corail volant.
D'accord, cocotte. Putain, qu'est-ce qu'il en a des planeurs? Chariot bâché. La carrosse de cristal, c'est ça? J'ai pas vu le nom. Ouais, carrosse de cristal. Ça, c'est quoi? C'est en achetant le pack de glace qu'on l'a, celui-là, il me semble. Oh, il est pas mal celui-là. Carpellé. Avion en papier. D'accord, donc je sais même pas qu'on pouvait avoir un avion en papier. Ok, terminus. Tout le monde descend. Oui, je sais, c'était nul. Rafale blanche. Ok, luge de fornute. Fortune, pardon. Fortune. De fornute, j'ai dit. N'importe quoi. Luge de fortune, d'accord. Locomotive noire. Pourquoi pas. Intrépide. D'accord. Aile de Ballora. Aile fendue. Ah ouais, elle est pas mal celle-là, aile fendue. Alors, aile magique. Je crois que celle-là. Je sais pas comment on l'est. Comment on a ce magnifique planeur. Oh non, honnêtement, celui-là, il est magnifique. Je crois que c'est en achetant le pack de glace aussi qu'on l'a celui-là. Il me semble, hein. Parce que vu que c'est de la glace, en fait, bah, je me dis, ça doit être en achetant le pack de glace qu'on a ce skin. Enfin, ce planeur. En tout cas, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Bout de zinc. Bric-à-brac. Ok, il est pas mal. Pas mal. Conquérant. Éclabousseur. D'accord. Épaire. D'accord. Symbole sombre. Ok. Il a le Plénéador. Donc il l'a mis en favori. Donc je sais pas si c'est un planeur rare ou pas, lui non plus. Je sais pas si c'est des planeurs rares. Vaisseau interstellaire que je trouve juste magnifique. Celui-là, il est magnifique. Pour moi, c'est magnifique un plano. Un truc, le vaisseau interstellaire. Turboplaneur. Reine cruelle. Elle est super belle. Le planeur, il est magnifique. Je sais pas comment on l'a, comment on obtient ce planeur, mais il est magnifique. Il me semble que c'est un défi celui-là. Il me semble. Nuée noire, donc je l'ai. J'ai le même planeur. Et foudroyant. Des orages sont prévus toute la semaine. D'accord. Ensuite, les gars, on commence à s'approcher des skins, les gars. Là, on commence à s'approcher des skins. Alors, on va commencer avec les pioches. Alors, la pioche, porte-bottes, pelle à neige, ok. Lame inversée, donc pourquoi pas. Positron, sceptre de glace. Donc, ok, royaume des glaces. C'est quoi, royaume des glaces? Donc, à mon avis, c'est en achetant le pack de glace, je pense, hein. Ça se trouve, je dis de la merde depuis tout à l'heure, mais je pense que ça doit être en achetant le pack de glace. Spectre. Vertueuse, oh magnifique. Comment on obtient c'est un conflit éternel. En tout cas, il est beau. Vril, ok. Ça, c'est le truc de Valora, non? Zéphyr, je sais plus. Chanceuse, d'accord. Gardienne du temple. Pizza hache. Pizza hache. Panneau hache. Omnisciente. Mini-missile. Méga sucette. Harpon. Arche, hache bobinable. Ok, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Hache narcissiste. Narchiste, pardon, narchiste. Clé en croix, congélatrice, contrôleur DJ, dent de scie, hache, hache de guerre, hache du dragon, hache glacée, châssis fatal, brise-toile, bord tranchant, baudruche, auto-fendoir, ancestral, alpine, rupture. Entailleuse, griffeuse, achevée, ok, hache d'oracle, incendiaire. Oh, elle est pas mal celle-là. Je sais pas comment on obtient cette pioche, mais elle est pas mal. Il est pas mal. Mâchouilleuse. Oh, celui-là aussi, mauvais oeil, il est beau. De toute façon, il l'a mis, c'est celui qui l'a mis, je crois. Mais je sais pas comment on obtient celui-là. Avec l'œil et tout, franchement, c'est stylé. Rouleau rebelle, disco pioche, adjuratrice. Tu n'auras. Ah non, tu n'aurais pas dû. Pardon, tu n'aurais pas dû. Glaçon. Ah d'accord, lui c'est un glaçon, d'accord. Emporte-pièce. Ventouse ninja. Je trouve super beau cette pioche. Punisseuse. Je sais pas comment on obtient celui-là non plus. À mon avis, c'est en achetant un skin, je pense. Enfin, en achetant plutôt l'outil de collecte. Ça s'appelle même pas une pioche, ça s'appelle un outil de collecte.
Hache spectrale. Alors, l'hache luisante, la griffe de chat, la faucheuse, Cupidon, clinquante, branche givrée, bourrasque, boule à neige. Ok, marteau clouineur, masse fluo, pergélisol, spectre des glaces. Alors, celle-là, elle est stylée aussi. Et royaume des glaces, je sais pas ce que c'est. Sucre d'orge, bâton luisant, batte fossile. Ah, ok, donc après la batte mobile, on a la batte fossile, pourquoi pas. Non, je sais, c'était nul. Bec à fer, donc ça, c'est par rapport au corbeau. Ouais, au skin corbeau. Ou le skin corbeau, mais version fille, je sais plus. Manette, foudre rageuse. Oh! Orage au désespoir. Franchement, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Je sais pas, je crois que c'est en achetant le TR Fluo en version, je sais plus quoi, en version Halloween ou je sais pas quoi, là, en version monstre. Je crois que c'est comme ça qu'on peut l'obtenir. Flamant rose, fossile à os, double fonction, bois sans soif. Ok, et encre. D'accord, bah franchement, il a pas mal de pioches. Et maintenant, on va passer aux accessoires de dos. Donc bon. Ouah, j'ai cru que c'était un ordinateur le truc. C'est un ordinateur? Ah, ok, c'est, je crois, un ordinateur. C'est un ordinateur le truc. Donne l'air intelligent. Ah oui, c'est une tablette. Bah ouais, en gros, ouais. Sac d'alpinisme. Donc une tablette, un ordinateur, vous appelez ça comme vous voulez. Pour moi, ça, c'est à plus la. Merde. Ça a plus la tête d'un ordinateur que d'une tablette. Après, peut-être que ça, c'est la housse. Je sais pas. Et que la tablette est à l'intérieur. Sac sombre, sac réglementaire. Alors, raquette d'occasion, plat du chef, panier marin, calculette. Ah, d'accord, tu peux carrément avoir une calculette. Capaciteur, étui à viseur. Gâteau d'anniversaire, donc pour les 1 an. Lanterne du jardin, Maxi Nigiri, ou Nigiri, je sais pas comment ça se prononce, mais à mon avis, ça doit être Nigiri. Module de précision, petit Kevin. Brasseur d'air, boule disco, vol, alors voile de la nuit, petit caillou, tas de rouille, shuriken de glace, sac isotherme, sac fluo. Alors, petit casse-noisette. Oh, on dirait un pop le truc, c'est trop bien fait. Oh, on dirait pas un pop, les gars. On dirait trop un pop. Portail spectral. Alors, le radiotransmetteur, Rémus. Oh, c'est stylé. Donc ça, c'est du pack de glace hein, qu'on peut l'avoir, j'imagine. Réserve de sucre. Sabre noir. Sac de baston. Ah, sac de baston, carrément. Ben voilà, pour ceux qui veulent se battre, hein, qui veulent se battre, ben vous avez un sac de baston carrément déjà prévu sur Fortnite. Sac de billets. Petit bonhomme. Nonos. Nichoir. Matos de ski à bosse. Donc, version Canada. Il a matériel des pistes version France, maraudeur Rikiki, lama en ballon. Ah, ok, en baudruche, c'est en ballon de baudruche. Amirez, cube de glace, dos d'acier, élytre givrée, en corner, forme d'onde, fourre-tout, grimace, gros yeux. Oh, grimace, c'est un. Ah, ouais, pourquoi pas. Pas mal, pas mal. Donc, gros yeux, croc blanc. Attends, ça s'appelle croc blanc ça? Ah, ok, pourquoi pas. Copain d'épices. Ouais, copain d'épices. Ah, ok. Alors, je sais pas ce qu'il cherche, mais. Catalyseur, cap rouge, cadeau idéal. D'accord. Bus en ballon. Bouteille de plongée. Bouée arc-en-ciel. Alors, aile des ombres. Pas mal, pas mal. Ça, c'est du skin. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un skin qui est sorti il y a pas très longtemps. Aile du couchant. Aile maléfique. Ceux-là, je les trouve juste magnifiques, par contre, les ailes magnifiques. Amis sucrés, arrière-garde, astromodule, bardachique, bloc de plongée. Ok, système de support, stabilisateur, chiro. D'accord. Sashimono. Ok, pourquoi pas. Sacoche de rapace, sac polaire, sac à morveux. À morveux, carrément? Ah, ok. D'accord. Poursuivant. Donc, Elim, Exomodule, longue patte, nouveau-né, oiseau de bois, orbe lugubre, pavois arcnéen, non, c'est arcnéen, arachnéen, pardon, pardon. Pointe glacée,
déstabilisateur, le déflecteur, la cape tenace, la cape scintillante, la cape des glaces, cape de fer glaciaire. Donc ça c'est le corbeau mais en version glace. Et ça c'est le corbeau version normale, donc cape de fer. Boule à couleur. Oh, pas mal, pas mal. Alors, sac en écaille, 6 cordes, aile d'ange glaciaire. Ok, aile pure. Oh, les ailes pures aussi, elles sont stylées. Altimètre, batailleur, bouclier anti-émeute, bouclier rouge glaciaire, sabre lupin, linceul glacial, bouclier rouge, bannière royale, aile noire, aile d'ange. Donc, c'est ce qu'il a mis d'ailleurs. Et aléatoire. Donc franchement, il y a moyen que son compte vaut vraiment 4000 euros. Parce que vu tout ce qu'il a sur son compte, en plus il a 100 000 V-Bucks, donc déjà son compte vaut minimum 1000 euros. Hein. On peut voir en haut à droite 100 000 V-Bucks, c'est juste énorme. 100 300 V-Bucks. C'est beaucoup, c'est beaucoup. On peut se dire que bah, c'est pas mal, vraiment, vraiment pas mal de V-Bucks. Et on va voir maintenant les skins. Ce qui est ce que... Bah, pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo? C'est à mon avis pour les skins. Et on va pouvoir les voir ben, tout de suite, les skins. Alors, traqueuse urbaine, d'accord. Guirlandine. Ok, mercenaire. Mitrailleuse. Nocturna. Renégate. Mais c'est pas le bon renégate, c'est dommage. Scorpion. Soldat laineux. Tireur des gratte-ciel. Fléchette, chauffarde, chasseur polaire, chasseur nez rouge, caracoleur. Alors, terreur sombre, terreur fluo, techno soldat, pivot, plongeuse, poiscaille, prescience, prodige, reine du maquis, rochon et survivaliste. Alors, pisteuse, maître du sushi, lobeuse, intello, hyperion, fulgura, fiancée de l'air. Écumeuse nez rouge, assassin arctique, avant-centre virtuose, bagarreur, brise-circuit, chasseuse au crâne. Eh oui, c'est la chasseuse au crâne ou... Ah, j'ai changé de skin. C'est laquelle? C'est celle... Ouais, c'est pas la bonne, c'est dommage. Desperado, Diva Disco. Oh, je connaissais pas. Je connaissais pas ce skin. Ok. Dynamo, artificière. Zoé, Zébute, Trog, Tracker d'épave, Taro, Spationaute, Soldat Funky. Alors, Reine des Boss Canada, ça je trouve ça trop stylé les skieurs. Reine dragée, Roi de la Rouille, Sauveteuse, Secrétaire de guerre, Sergent Frimas, Soldat au crâne, Soldat d'épices, Prunelle, Poudreuse, Pilleuse de récifs. Des récifs, pardon. Ninja du froid. Alors lui, il est stylé. Je sais pas comment on l'obtient, mais il est stylé. Nara, Monsieur Tomate, Mitrailleur fluo, Marteau pilon, Grenouillère, Grippe fou, Indompté, L'As, L'étoile occulte, L'ombre occulte, Le faucon, Ligne rouge, Graffeuse, Gentil maraudeur, Fugitif, Fonceur, Fier destrier, Exploratrice lunaire. DJ Lama, Dentelle, Cartoucheur, Chaperon, Chasseresse, Chef de section, Crépuscule, Cucurbitacée, Dame d'Acier, Dame de Paille, ok, Briscard de Neige, Assaillant Alpin, As des Pistes. Je trouve juste stylé les skins skier. Harlequin, plutôt. Je pense. Aigle de la nuit, agent secret, agent rebelle, agent d'élite, ben ça en fait des agents. Triceratop 1, donc d'ailleurs on va remettre son skin, voilà. Valora, Vertex, voleur de cœur glaciaire. Oh là là, c'est trop stylé. Les skins en version glace sont trop stylés. Voyageur noir, Wukong, Zénith, Rex, Ragnarok, pilote arctique. Voilà, le skin à 30 balles, il l'a acheté. Enfin, le pack à 30 balles qu'il y avait, donc voilà, il l'a acheté aussi. Hein. Peinture de guerre, Omega, Oblivion, ou Oblivion, plutôt Oblivion, c'est. Nomade, Moucha, Destiny, DJ Bebop, Exécuteur, Krampus, Le Faucheur, Le Visiteur, Lynx, Manus,
Criteria, Corbeau Glaciaire. Oh là là, c'est trop stylé les skins en version glace. Corbeau normal, Chevalier Araignée, Chevalesse. Oh là là, la Chevaleresse Rouge Glaciaire. Trop stylé. Chef de l'équipe rose, Carburo, Cible, Rapace, Ravage, Reine des Glaces, le Roi des Glaces. Arachné, Archange, Attrape-mouche, Blanche, Lycan ou Lincan, je sais plus comment ça se prononce, Imé, Guitariste, Chevalesse Rouge, Casse-Noisette et Calamité. Il a juste un compte de fou, les gars. Il a juste un compte de fou palissant. Bah voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Et comme vous pouvez voir, il a fait presque aucun défi. Donc je me demande s'il a même acheté, s'il a même, s'il a pas plutôt acheté des paliers. À mon avis, il a dû acheter des paliers parce qu'il a pas tout. Regardez les gars, il a pas tout fait. Eh ben dis donc, on achète des paliers. Je suis sûr qu'il a acheté des paliers. Faudrait que je lui demande. Je vais lui demander s'il a acheté des paliers, mais je suis sûr à 80% qu'il a acheté des paliers pour être palissant. Parce que déjà au tout début de la saison, il était déjà palier 60. Je sais qu'il avait acheté, il me semble, 40 paliers. Enfin voilà, son compte, il a largement mis des 4000 euros sur son compte. Parce que déjà, il achète des paliers. Ensuite, quand on peut voir tous les skins qu'il a, il a 100 000 V-Bucks actuellement. À mon avis, les 4000 euros sont vite mis. En plus, il a le mode. Ah, je me rappelle plus comment il s'appelle. Sauver le monde. Et à mon avis, il a dû mettre des sous aussi sur ce mode. Par contre, je m'y connais pas du tout sur ce mode. Donc, c'est pour ça que moi, je reste plutôt sur le Battle Royale. Sur Sauver le monde, je connais rien du tout. Donc, c'est pour ça que bah, je vais pas en Sauver le monde. Voilà. Mais à mon avis, il a dû sûrement mettre des sous aussi en Sauver le monde. Donc, voilà, il a dû sûrement les mettre, les 4000 euros. C'est juste un truc de fou. Donc, voilà, les gars, n'hésitez pas à bombarder les likes dans cette vidéo. Donc, voilà, je compte sur vous, les gars, pour avoir un maximum de likes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, voilà, n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur les réseaux sociaux ainsi que le snap de mon pote, donc tout est dans la description. Et puis voilà, c'était Vortex, ciao!